Bonjour, bonjour tout le monde. On se retrouve aujourd'hui pour une autre vidéo décoration sur le thème d'Halloween. C'est une vidéo qui peut être visionnée par les petits parce que ça peut les intéresser également de faire leur propre décoration d'Halloween. Alors voilà, c'est parti, on y va. On prend pour ça une feuille noire format A4. Voilà. Et on va la couper à la moitié sur les 21 cm. On prend 10 et demi. Hop. Voilà, on voit que je n'ai toujours pas changé ma lame. Il serait peut-être temps que je le fasse. Ou alors je vais peut-être l'aiguiser avant pour pouvoir la prolonger un peu. Alors, sur cette bande noire, eh bien, nous allons faire un accordéon. Donc, rien de plus simple. Il suffit de plier en deux. De plier en deux. De plier en deux. Et de replier encore en deux. Si vous pouvez, vous pouvez encore plier en deux. Mais moi, je crois que je vais pas pouvoir. Quoique. Si. Voilà. On déplie. Et on reforme correctement son accordéon. Ouais, le dernier pli était en trop en fait. Bon, c'est pas grave. Voilà, on appuie bien sur ces plis. Pour former, pardon, un bel accordéon. Non, non, on va pas faire de la musique. Voilà. Donc, une fois qu'on a son petit accordéon, on va prendre une petite ficelle ou un petit fil. Et vous allez venir faire un petit nœud au milieu. Au milieu. Alors, hop, pour faire le milieu, on va plier tout simplement, hein. Voilà, et on serre. Et on va venir mettre de la colle sur les petites bandelettes noires là, ici, pour pouvoir refermer. Alors, hop, la petite colle, soit du double face, soit de la colle, hein. Ferme bien.
en attendant que ça sèche, on met sur le côté. On prend son autre bandelette de papier noir et on vient faire, pardon, un petit cercle. Voilà, que l'on découpe. Voilà. Voilà. Sur ce petit cercle, on peut venir y mettre des yeux mobiles. Et on va pouvoir également dessiner une bouche avec des petits crocs. Mais je n'ai pas... où est-ce qu'il est ? Voilà. Bon, tant pis, on va trouver une autre solution. On va prendre ça. Bon, ça va être un peu trop gros par contre, là, la pointe à mon avis. Alors, vous allez essayer de faire une bouche. Voilà, avec deux petits crocs. Et une petite bouche, voyons, avec voilà, et ça. Vous allez pouvoir le coller sur votre petit accordéon. Et vous allez avoir une petite chauve-souris. Voilà. Voilà, donc vous avez votre petite chauve-souris. Donc ça, c'est la première petite déco. Et sur le même principe, on peut faire un deuxième modèle, pas de chauve-souris bien sûr, mais en orange, donc une citrouille. Donc hop, on reprend son massicot, on découpe à 10,5 sur la longueur. On refait son petit accordéon. Donc on a notre demi-accordéon. On va faire une deuxième, avec la deuxième partie, on fait un deuxième accordéon.
Et ce deuxième accordéon, on va le relier au premier. Voilà, on obtient donc un petit rond et on vient mettre ces petits yeux mobiles là. Et sa petite bouche, on peut s'amuser à faire une bouche dans du papier noir, hein, ça peut être pas mal, donc ça peut être et on découpe. Voilà, on vient la coller je vais attendre que ça sèche sinon je vais mettre les doigts dedans et là je vais mettre un peu de colle ici parce que ça se détache, j'ai oublié de mettre la ficelle bêtement mais c'est pas grave. Hop, on peut rectifier ça en mettant un peu de colle. Voilà, pour ne pas que ça s'ouvre trop facilement. Voilà. Hop. Si vous avez de la colle chaude, vous pouvez mettre un petit point de colle chaude au milieu. Voilà, vous le retournez et ça fera votre arrière, ça se verra pas. Voilà. Alors, j'ai mis hop, mon petit œil ici, je vais essayer de l'attraper, voilà. Voilà, laissez bien sécher. Hop, et vous allez avoir votre petite citrouille qui va accompagner donc les petites les petits vampires, non pas les petits vampires, les petites chauves-souris. Voilà, donc pour décorer une table, pour faire de la des suspensions. Hop, ça peut être bien sympathique à faire avec les enfants pour un atelier le mercredi après-midi. Ils vont bien aimer, je pense, faire ce genre de petites choses. Voilà, donc sur ce, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Comme d'habitude, je vous invite à vous abonner, à mettre des petits pouces bleus, à partager sur les réseaux. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye !